Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. À La Réunion, l'agriculture génère plus de 20 000 emplois directs. Le territoire agricole couvre près de 20% de l'île. Pour accompagner et développer ce secteur, le département mène depuis plusieurs années un programme de développement rural. Il est aussi gestionnaire des fonds européens du FEADER. À Sainte-Marie, Mathieu a bénéficié de cette subvention pour moderniser son exploitation. Pas de grasse matinée quand on travaille dans l'agriculture. Chaque matin, Mathieu commence sa journée aux premières lueurs du jour. Première étape, le bâtiment d'élevage. Là, on va rentrer dans le bâtiment 217 pour regarder les poulets s'ils vont bien. À l'intérieur, les occupants sont bien réveillés et ils ont faim. Mais Mathieu n'a pratiquement rien à faire pour nourrir ses 14 000 becs. Depuis plusieurs mois, il est passé à une exploitation 2.0. Alors là, c'est le nouvel investissement que j'ai fait, c'est la Vitouche, l'ordinateur qui pilote tout le bâtiment d'élevage. On voit les sondes de température, la lumière et l'humidité qu'il y a dans le bâtiment. On voit le nombre de poulets qui a été mis en place, l'âge qu'ils ont. Toutes les heures, je peux savoir exactement combien de litres d'eau ça a été consommé et voir s'ils ont bu moins d'eau, c'est qu'il y a un souci dans le bâtiment. Avant, c'était tout manuellement, il fallait que je vienne à l'heure fixe, que j'éteigne les lumières pour faire dormir les poulets, que je rallume la lumière, que je regarde la consommation d'eau, peser les volailles manuellement par 5 volailles. Là, je suis en train de peser les poulets comme je faisais à l'époque. Maintenant, c'est l'ordinateur qui le fait. Là, je vois que ça fait 6 kg. Donc, il y en a 5, ça fait 1,2 kg les volailles. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps. C'est pas pratique pour les volailles, on les manipule beaucoup. Tandis que là, avec la balance, c'est plus pratique. Ils montent tout seuls sur la balance et on a le poids. C'est mieux pour le bien-être animal. Du confort pour les poulets et un gain de temps considérable pour Mathieu. Maintenant, c'est 10 minutes le matin, 10 minutes le soir maintenant que je fais. J'ai plus besoin de passer ma journée dans le bâtiment. Je peux vaquer à d'autres occupations. Maintenant que j'ai les investissements du FEADER, ça m'aide beaucoup pour être dans mon jardin. Car pour financer la modernisation de son bâtiment, le jeune agriculteur a fait appel à une subvention européenne, le FEADER. Alors l'ordinateur lui-même coûte 7000 euros sans les aides. C'est subventionné à 50% par le FEADER. Je recommande et aussi il le faut parce que tout seul, on ne s'en sort pas. On va serrer la ceinture, mais ça ne sera pas possible. L'aide est vraiment utile. Le FEADER, c'est le Fonds européen agricole pour le développement rural. Son but ? Développer l'agriculture dans les territoires européens, préserver l'environnement et la qualité de vie de ces territoires. Concrètement, c'est un outil financier. Une grosse enveloppe attribuée tous les 6 ans. Pour la période 2014-2020, l'Europe a prévu en tout 960 milliards d'euros pour le FEADER. Et c'est à la France que l'on attribue la plus grosse partie, 11,4 milliards d'euros. Là-dessus, 385,5 millions sont réservés à La Réunion. Alors, qui gère ces fonds ? Partout en France, ce sont les conseils régionaux, sauf chez nous. Depuis 2014, c'est le département de La Réunion qui a repris la gestion. À quoi sert cet argent ? À accroître la compétitivité de l'agriculture réunionnaise, à préserver et valoriser les ressources naturelles et les espaces agricoles, à renforcer l'attractivité des eaux pour favoriser la création d'emplois et à investir dans la recherche et dans l'innovation pour le domaine agricole. Un soutien considérable envoyé à plus de 10 000 km pour le développement de notre île. Si on n'avait pas ce soutien de l'Europe, on aurait été dans une agriculture plus modeste, une agriculture qui était en train encore de se chercher. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des perspectives, que ce soit pour les bâtiments d'élevage, pour l'achat du matériel agricole, pour l'irrigation, pour faire des prairies. Vous avez un ensemble de dispositifs aujourd'hui qui est disponible. Il suffit de se renseigner, venir au département, puisque nous avons une cellule d'accompagnement, mais pas seulement, auprès aussi des techniciens agricoles de la Chambre d'agriculture, auprès des différents services instructeurs, pour véritablement qu'on puisse actionner ce levier important que représentent pour nous les fonds européens, que représente pour nous cet argent qui nous arrive de l'Europe. Depuis son investissement sur le bâtiment d'élevage, Mathieu consacre plus de temps à sa deuxième activité agricole, sa ferme auberge. Au lieu d'acheter, pour pouvoir proposer des bons prix pour la ferme auberge, autant cultiver soi-même. Et au moins, je sais les produits que j'utilise. Il n'y a pas de pesticides dessus, ça reste enraisonné, c'est mieux pour le consommateur. C'est un peu difficile avec les poulets et la ferme auberge, mais j'essaie de m'en sortir parce qu'il faut toujours proposer des légumes pour l'auberge. Donc, toujours prendre 5 à 10 minutes
pour gratter une herbe ou planter quelque chose, quoi. Faut prendre du temps. Grâce à l'accompagnement du département et de l'Europe, le jeune agriculteur peut se projeter dans l'avenir et diversifier ses activités. Premier objectif, c'est améliorer le bien-être animal, c'est le même bâtiment d'élevage, un confort pour l'animal et pour moi. Après, en deuxième plan, j'hésite entre la ferme auberge et les légumes. En légumes, j'ai bien des projets d'aquaponie, mais en ferme auberge, j'ai bien des projets de faire des chambres d'hôtes pour accueillir les gens, parce qu'il fait bon vivre ici, à Piton-Fougères. Le FEADER est le Fonds européen agricole pour le développement rural. À La Réunion, ces fonds sont gérés par le Conseil départemental. Sur la période 2014-2020, ils s'élèvent à 385,5 millions d'euros pour l'île. Le FEADER intervient sur plusieurs thématiques, dont l'installation des jeunes agriculteurs, le paiement en faveur des zones spécifiques, les mesures agro-environnementales et climatiques et les investissements dans les secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers. Pour plus d'informations sur les conditions d'attribution du FEADER, vous pouvez appeler au 0800 000 490 ou consulter le site du département au www.cg974.fr.